Bonjour et bienvenue sur MotoStation. Nous sommes aujourd'hui en Sardaigne où KTM nous dévoile ses modèles 2014. Alors pour la gamme Cross, que ce soit les deux temps ou les quatre temps, pas de grosse évolution en vue. C'est très proche de ce qu'on a pu découvrir en 2013. De finir l'essai, on a pu constater que malgré tout, les petits efforts que font KTM, notamment au niveau des settings de suspension et du châssis, ça commence à payer, ça se rapproche des références japonaises. Le 2,5 SXF, très facile, très confortable, vraiment agréable à prendre en main, un poil souple peut-être pour les plus exigeants et les plus rapides. Un 3,5 qui est aussi sur la bonne voie, idem pour le moteur, c'est toujours la bonne alternative entre le 2,5 et le 4,5. Le 4,5, lui, ça reste toutefois une grosse moto, un plus gros gabarit, un peu plus lourd, un peu plus d'inertie. Mais malgré tout, il reste une moto, on va dire, humaine pour un 450. Même si, aujourd'hui, il a fallu trouver le mode d'emploi de la boîte 4. Concernant les deux temps, le 125 lui reste vraiment la référence dans sa catégorie. Un moteur qui marche très fort, soit en bas, en haut, il n'y a rien à dire, c'est impressionnant. Côté suspension, il faut les accorder, mais quand ça c'est fait, c'est vraiment agréable. La 150, elle, c'est là où on a pu voir un léger désaccord entre la fourche et l'arrière. Ça demande à être travaillé un peu. Le moteur un peu plus costaud, plus de coffre, mais vraiment pas désagréable, surtout s'il faut lutter face à des 2,5 4 temps. Enfin, la 2,5 SX, on rentre dans les choses sérieuses. Pas évidente à prendre en main et pas évidente à garder son rythme durant 10 minutes. Il y a encore un peu de travail pour rendre ces grosses deux temps un peu plus humaines. Donc voilà pour ce qu'il en est de la gamme Cross. Si vous voulez tout savoir, rendez-vous sur motostation.com pour l'essai complet. Ciao !